Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur My Time at Portia. J'ai eu un problème avec ma caméra. Donc du coup, vous n'allez pas voir sur l'écran ma caméra. Je vous dis à tout de suite du coup avec My Time at Portia. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc à tout de suite. Donc nous voilà sur My Time at Portia. Alors si il n'y a pas une webcam, je suis désolée, j'ai un petit problème avec la webcam. Voilà, tout simplement. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, mais on va quand même jouer. Donc on se retrouve sur My Time at Portia comme je vous l'ai dit. Et voilà, on va faire un nouveau. Alors j'ai commencé pas à jouer, mais j'ai commencé pour voir s'il n'y avait pas de petites failles, s'il n'y avait pas des problèmes dans le jeu, si tout se passait bien, parce que du coup j'ai dû tout réinstaller, tout désinstaller, tout ça, parce que je ne suis pas sur mon ordinateur de base, je ne suis pas sur le fixe, je suis sur un ordinateur portable. Voilà. Donc, si je veux bien me lancer, j'allais dire. Alors, on est une fille. La voix. Bon, on va choisir la première. Les cheveux. On va pas passer trop de temps sur le personnage parce que c'est pas la priorité. Je vais prendre les mêmes que d'habitude. Non, je vais me mettre en marron. Marron, comme ça. Reflet, pas trop. Voilà. Ça, c'est parfait. C'est bien. Type du visage. Non, le visage, il m'a l'air bien. Ouais. Non. Non, on garde la peau de base. Position des sourcils, on ne les voit pas vraiment. Les sourcils, du coup, on ne les touche pas. Taille des yeux. Ouais, comme ça. Forme des yeux. Non. Bah, on laisse à peu près, du coup, comme c'était. Des yeux, c'est bon. Espace entre les yeux, on va tout petit peu les resserrer, je pense. Ouais, comme ça. Ensuite, bas du visage, la position du nez. Ouais, bien, le nez est bien, la bouche. Ouais, peut-être, voilà, grossir un petit peu. Hauteur de la bouche, elle est bien, forme de la bouche. Un petit sourire. Taille du menton. Ouais, peut-être la mincir. Largeur du menton aussi. Et longueur du menton. Ouais, non, pas trop non plus. Voilà. Peut-être un tout petit peu grossir ici et ici. Ouais, c'est bien. Décoration. Je ne veux rien sur ma peau. Et voilà. Alors. On va prendre mon deuxième prénom. Donc, Rose. J'aime bien ce prénom. Donc, voilà. Donc, moi, je connais à peu près... comme j'y ai déjà joué, je connais les bases et tout ça. On avait bien avancé quand même avant. Mais voilà. Donc, je vais faire un petit récapitulatif pour tous ceux qui ne connaissent pas. Je pense qu'ils vont rajouter aussi des trucs puisque ça va faire longtemps que j'y ai pas joué. Donc, en un an, il peut se passer des choses. Alors là, on a la journée de la pêche. Ici, on a le journée du soleil éclatant. Donc la journée de la pêche, vous vous doutez bien, c'est pour pêcher. Donc ça, c'est... Il y aura une sorte de... Bah du coup ça, une image que vous voyez là, qui va passer au-dessus du village et qui va lancer des cadeaux. Et il faudra les rattraper. Ça, tournoi d'arts martiaux. Alors, je crois que j'ai jamais joué. Voilà, j'ai jamais vu ça. Donc, je vais pas vous expliquer.
Jour des souvenirs. Essaye de trouver les objets. Donc, ok. Et allume des lanternes. Conjuring. Alors, soit ça y était pas quand j'ai joué, soit c'est que je m'en souviens pas. Mais voilà, je peux pas vous expliquer. Alors, course au sol, il me semble que c'est une course à cheval. Donc voilà, on a des petits jours comme ça. Festival d'automne, compétition du festival d'automne de 10h à 13h et concours culinaire de Portia de 14h à 17h. Donc voilà, je ne peux pas vraiment vous expliquer. Bataille de boules de neige, bataille de boules de neige. Et c'est la même chose, de 8h à 15h. Solstice d'hiver, ragoût du solstice. Donc ça doit être juste. On mange. Alors, choisir ton anniversaire. Ah, on peut choisir son anniversaire, le jour de son anniversaire. On va le mettre là. Le jour de notre anniversaire. J'espère que c'est vrai. On va voir sur la carte. Je ne me souviens plus exactement de tous les boutons. Donc, on va voir. Pour l'inventaire, pour la carte, pour tout. Alors, je suis dans mon petit lit. Avec mon petit pyjama. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, je suis trop contente. Je pense que je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté. J'ai acheté que des bas. Pour l'instant. Mais je vais racheter des choses. Je n'ai pas fini en période de corona, donc on n'a pas vraiment le temps. Alors. Nous arrivons à Portia. Waouh, c'est magnifique! Qu'est-ce que tu vas y faire de l'exploration? Quelque chose du genre. On voit de temps en temps des gens comme toi en quête d'aventure. Il fait bon d'être jeune. Alors. Bon, eh bien, bonne chance à toi. Merci. Donc, du coup, là, c'est le moment où on va découvrir plein de choses. Je ne vous spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu encore ce jeu, mais je pense que vous l'avez vu sur plusieurs YouTubeurs. Rose, Presley, comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. J'espère que le voyage a été agréable depuis Barnarok, c'est bien ça? Quelle distance? Oui, pardon. Bref, je vais te montrer ton atelier. Si tu veux bien me suivre, il n'est pas loin. Je me demande à quoi il ressemble. Je n'ai pas beaucoup connu mon père. Personne n'y a travaillé depuis que mon père a quitté Portia. Il y a de nombreuses années. C'est un bon ami. Oui, c'était. Ah, on peut avancer avec les flèches, souviens. Alors, je vais. Ah, on peut pas pour l'instant. Espace sauter. Shift, c'est pour. Ouais, plus un truc, c'est pour vraiment avancer. Attendez. Ah, c'est peut-être là. Je sais pas. On commence. Allez, suis-moi, oui, bah, je te suis, Presley. Je te suis. Et voilà ton atelier. Cette maison n'est pas des plus neuves. Commences-tu? Ça m'a l'air douillet. Moi, j'adore ces animations dans ce jeu. Et il est trop bien. Voici la lettre de ton père. Il m'a demandé de te la remettre quand tu seras devant cette maison. Rose, quand tu liras cette lettre, je serai déjà de l'autre côté du monde. Je suis désolée, désolée de ne pas pouvoir être le père que tu aurais aimé avoir. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps de te prévenir ou d'apprendre à m'occuper de toi. Et puis, j'ai repensé à cet atelier. Ce n'est pas grand-chose, mais il te protégera du vent et de la pluie. Je te laisse mon manuel d'atelier.
Dans lequel... Pardon, j'ai bâillé. Dans lequel je te laisse mon manuel d'atelier. Pardon, dans lequel sont inscrites toutes mes méthodes. À toi de t'occuper du reste. Fais de ton mieux et profite d'une vie meilleure. Tu seras toujours ma plus grande fierté. Donc, voilà. Voici le manuel d'atelier de ton père. Prends ton temps et rends-toi à la guide du commerce demain. Elle est située sur la place Peach. Tu ne peux pas la louper. J'aimerais pouvoir te donner ton permis de construire, mais tu dois d'abord t'en montrer digne en passant deux examens. Compris, demain. Enfin bref, je vais te laisser. Repose-toi bien. Repose-toi un peu. Au revoir, Presley. Merci pour ton aide. Alors, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Je crois que on va faire vite, vite ce qu'il nous demande. Et ensuite, je vais arrêter la vidéo parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. C'est une petite vidéo comme si par-ci par-là. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Donc, cette maison est en piteux état. Je dois la réparer ou je risque de ne jamais profiter d'une bonne nuit de sommeil. On va à la place Peach. À la guide du commerce. Ça met un peu de temps à charger. Ah voilà. Alors, les objets brillants sont certainement des ressources à ramasser. Pourquoi tu avances au ralenti comme ça là? Pourquoi c'est pas fluide? Ah, ça commence. Bon, hop là. Du Portia Time. Cher nouvel abonné, ici le Portia Time. Nous sommes sponsorisés par le gouvernement de l'agence locale de la guide du commerce pour vous offrir gratuitement les dernières actualités de la ville. Notre publication est mensuelle et chaque numéro est envoyé le premier de chaque mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rendre visite dans nos bureaux situés dans la rue principale. Le Portia Time. Voilà, ça commence à être un peu fluide. Bon, je sais pas pourquoi, j'espère que ce sera plus fluide la prochaine fois. Les objets brillants sont certainement des ressources à ramasser. Donc, cliquez pour voir. Ok, bon. Je peux voir. Alors, attendez. Ça ne me fait pas de course auto. De 8h à 20h. Ah ouais, mais moi j'ai pas vraiment le temps. Bon, c'est de 8h à 20h. Ah voilà, c'est bon, c'est ouvert. Donc, Rose, c'est un plaisir de te revoir. Comment se passe ton installation? Pas très bien? Courage. Promets-moi de te présenter la guilde du commerce. Notre organisation s'occupe du commerce dans toute la région des cités libres et nous sommes actuellement dans l'agence de Portia. Nous sommes très occupés tout au long de l'année. Bien, je vais t'expliquer l'examen de construction. Ce sera très simple. Fabrique une hache et une pioche et apporte-les-moi. Tu auras besoin de bois et de pierre pour les fabriquer. Tu peux en récupérer dans la nature ou en acheter chez Outils et Scie, dans le square central. Une fois que tu auras obtenu le matériel brut, okay, tu vas devoir fabriquer des objets sur un établi. J'ai aperçu celui de ton père dans ton jardin. Tu devras vérifier s'il fonctionne toujours. Ok, donc on fabriquera tout ça une prochaine fois puisque là j'ai vraiment pas le temps. Du coup, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus ou à me laisser un commentaire
Si vous voulez avoir plus de vidéos comme ça, ou si vous voulez d'autres vidéos même, ou sinon allez sur mon adresse email. Donc du coup, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez avoir toutes les notifications de quand est-ce que je vais avoir, quand est-ce que je publie une vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram ou à venir sur Snap ou à sur mon TikTok. Voilà. Bisous, bisous. À très bientôt. Alors comme ça tu m'as trompé. T'as cru que j'allais pas capter. T'as changé par ma numéro comme si par les keufs t'étais recherché. Apparemment tu m'aimes.